Assalamu alaikum et bonjour. Alors, aujourd'hui, nous avons un scan leçon 6. Okay? Nous devons tout tourner sur la page 76. 76, toujours plus loin. Okay? 76, tu ne dirais pas de 60, mais du coup 16. Okay? So, vous voyez, un ampoulot, champo, un emblas. C'est-à-dire toujours plus loin. Et ça, nous devons dire nombre. Un ampoulot, du coup, 100. Alors, nous qui irons pas dans un boulot, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Qui n'a pas boulot, chapeau ce boulot. 71, 72, 73, 74, 75, nous sommes toujours pour l'immeuble. 76, 77, 78, 79, que vous donnez 80. Ok? 80, la pampoulo. Punto 80, vous avez 4, un pack, donc 20, 2 poulots. Un pack à l'île 2 poulots, la pampoulo, 80. La pampoulo, c'est tout? 81. La pampoulo, 82. La pampoulo, tigre, 83. 84, 85, 86, 87, 88, 89, que modèle? Déjà 70, bien qu'à 90. Que bien 91, 92, 93, 94, 95, 16, 17, 18, 19, dans du à rien, vous n'avez pas 100, sera tous. Là, vous avez passé 101, 102, 103. 100, tu as des passagers, tu as des stratos. Page 76. Ok, sur le cas, attends, tu vois, tu as passagers, faire les courses. Faire les courses. Faire les courses, attends, slash le shopping. So, to do shopping, to go shopping. Que vous donnez aux Galeries Lafayette, at the Galeries Lafayette. Galeries Lafayette, c'est le tempat yang menjual ke semua produk yang ada lah. Dari segi kosmetik, dari segi fashion. Kemudian ini perbualan antara tiga orang, Marion, Linda dan juga vendeuse. Okay, ingat pada profession, kalau vous ada vendeuse, kalau itu vendeuse tu même masculin ke féminin. So, vendeuse, une vendeuse féminin, un vendeur masculin. Okay? So, vous pouvez ingat pada profession. Perbualan ini dimulakan dengan Marion yang cakap, Linda, qu'est-ce que tu veux acheter? Attends, qu'est-ce que tu veux acheter? Okay, ça me regarde X dengan A. Maksudnya, Linda, what do you want to buy? What? Qu'est-ce que what? Tu, you, veux, want, acheter, to buy. Ingat balik, dalam ayat ni, ada deux verbes dalam satu ayat. Deux verbes, okay? Ada dua verbes dalam satu ayat. Dan perasan tak? Untuk verb yang kedua, akan diletakkan dalam original form. Linda pun jawab, je cherche des chaussures. I am searching for a pair of shoes. Et toi? And you? Itu kata peringkasan. Moi, kata peringkasan, je veux acheter une jupe. Okay? I want to buy a skirt. Okay? Je veux acheter une jupe. I want to buy a skirt. Kemudian, vendeuse tu terdengar kan? Kata, mademoiselle. Okay? Ladies. Cik, cik, cik. Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? Et ce mari en point de voir, je voudrais acheter une jupe et mon ami veut des chaussures. Okay? I would like to buy a skirt and my friend et mon ami want des chaussures, shoes, a pair of shoes. Que vous devez vendre du cap, vous faites quelle taille? Okay? What size wrapper? What size are you? Marion dit qu'après, je fais du M. I am size M. Que vous avez vendu ce que vous et vous, mademoiselle, and you, chick, ok? Quelle pointure? What size? Que vous avez dit qu'après, je fais de 38 et j'adore la couleur noire. Ok? I am size 38 and I love la couleur noire. Okay? La couleur noire, kalau vous tengok, noire, ada E kat belakang sebab mengikut couleur, couleur féminin. Et très bien. Que vous voulez? Marion, tu as la joue blanche là-bas. La joue blanche là-bas.
Okay. The white skirt there. Okay. The white skirt there. Okay. Là-bas, tout there. Ça coûte combien? It cost how much? Okay. Que vous avez vendu tu elle coûte 150 euros. Et it cost 150 euros. Très bien. Parce que maman, tu dis quoi? Ouais. Okay, like the hair, okay, you know. Okay, okay, it is very expensive. Okay, we let's cover. Alors, so who sent mes chaussures? Where are my shoes? And then on this cover, voila. Okay, here is now. Okay, we let elles sont belles. Okay, they are pretty. C'est bon marché. Is it cheap? It is cheap. Et vous avez vendu sur Apple? Oui, ça fait 45 euros. Et it is 45 euros. So, dalam dialogue tu, vous akan dapati ada beberapa verbe yang baharu. Daripada ayat ça fait 45 euros, elle fait 150 euros. Okay? Vous avez ça fait, elle fait, yang berasal dari verbe faire. Okay? Yang berakhir dengan RE. So, sama seperti comprendre. Kemudian, vous ada, vous voulez, je veux, mon ami veut, atau elle veut. Okay? So, vous voulez tengok di situ. Berasal daripada verbe vouloir. Okay? So, IR. Berakhir dengan IR. So, ini verbe yang pertama, IR yang pertama yang vous dah jumpa. Kemudian, verbe acheter, to buy, coûter, to cost. Okay? So, acheter, coûter, berakhir dengan ER, maka vous dah boleh dah buat conjugate vous sendiri. Okay? Kalau vous buang ER, kemudian tambah ES, ONS, EZ, ENT. Okay? Très bien. Kalau vous ada masalah, vous boleh tourner sur la page 80. Kat sini ada kesemua conjugation. Dan vous kena hafal sebab faire dan vouloir merupakan verbe irrégulier. Okay? Verbe irrégulier. Okay. So, vous kena hafal sajalah. Manakala acheter, coûter, vous boleh buat. Vous kena ingat balik. Il est malaisien. Elle est malaisienne. Okay. Ada N, E, N ke belakang. Kemudian, il est cuisinier. Elle est cuisinière. Okay. Ada E juga ke belakang. Kemudian, il est grand. Okay. He is tall. Elle est grande. Okay. Ada E. Dalam mana-mana pun, kalau vous tak tahu maskulin ke femina, kalau femina semestinya ada E kat belakang. Okay, selang sangat ada E kat belakang. Kalau maskulin tak perlu ada E. Okay? So kalau apa-apa pun kalau vous nampak macam ada E, oh ni maybe femina kot. Okay? Kecuali kalau dalam contoh elle belge, elle belge. Kedua-duanya belge tak berubah. Sebab dia dah memang dah berakhir dengan E. Kemudian dalam dialog, vous boleh tengok ada perkataan ça. Ça coûte combien? It cost how much? Ça ni sebenarnya boleh merujuk kepada la jupe blanche, kan? Okay, the skirt. Bukannya merujuk kepada orang, sebab dia it. Tapi satu boleh juga digantikan dengan elle. Elle coûte combien? Okay, so vous ada dua cara. Ça coûte combien atau elle coûte combien? Okay, so ça ni boleh menggantikan il, elle. Il yang ada S dengan elle yang ada S. Plural. Okay? So mengikut konteks, sama ada vous nak pilih il, elle atau ça. Ça lebih mudah. Okay. Qu'est-ce que c'est? What it is? What is it? Kan? So, c'est ni sebenarnya terdiri daripada ça plus elle. C'est. Okay. Tapi kalau vous guna ça, selepasnya mesti kalau ada adjektif, selepasnya mesti masculin. Okay? Très bien. Okay, so sekarang sila klik dekat dekat apa link kat bawah supaya vous buat quiz tu. Kemudian eksersis yang lagi satu vous kena buat di bawah link yang kedua. Okey, yang kedua vous kena cari tiga barang kemudian menjawab soalan qu'est-ce que c'est, okey, what is it, kemudian combien ça coûte, how much does it cost, okey, how much does it cost, dan yang ketiga ialah quelle est sa couleur, okey, quelle est sa couleur. What is its color? Okay, so, vous boleh hantar bukti jawapan dalam komen below. Okay, dan untuk exam written test minggu hadapan, vous kena datang awal supaya you boleh warm up dahulu dengan beberapa exercise. Sama ada vous nak buat sama-sama exercise yang berada di belakang buku
Ataupun vous boleh buat sendiri di rumah kalau vous nak buat. Ada di belakang buku, buku tu, vous avez leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4, leçon 5, leçon 6 punya exercice. So, vous boleh buat sendiri lah. Vous tengok dekat written test. Okay. Itu dia punya gaya dia lah. Gaya soalan dia macam tu. Mesti baru ambil dia punya soalan. Tak susah sangat lah. Sabar. Sabar. Okay. Okay, ciao. Merci beaucoup. Et au revoir.